pour nous retenir. Thank you.
Non, mais c'est bon, je vais parce que demain on voyage. Non, on part à Calémie demain. Calémie et Kamina demain. Partager la vidéo, nous sommes en direct de Kolwezi, chef lieu de la province du Lualaba, où nous sommes présentement. Partagez la vidéo massivement parce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20, à sa propre succession, va devoir arriver tout à l'heure. Il va devoir arriver tout à l'heure ici à la grande place de la poste où plusieurs personnes l'attendent. Ici à Kolwezi, rappelons que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé hier à Lubumbashi, pratiquement à 19h30. Nous étions à la grande place de la Poste où il a tenu un meeting populaire jusqu'à 22h avec une foule immense. Et aujourd'hui, ce matin, nous étions à Likasi où un monde fou l'a accueilli. Et après Likasi, nous étions à Fungurume mais également, et là nous sommes à Kolwezi. Mesdames, messieurs, partagez la vidéo, nous sommes déjà en direct.
et cela permettra à plusieurs personnes d'être connectées. Non, c'est pas possible.
nom sacré. Vous voyez Michiki, hein? Ça, ça y est, ma drapeau. Ça, on a la photo. Nous réunions Milisema pour ta famille à Dieu. Ma drapeau est où il faut être pour le bon. Je suis en ville. Thank you.
Voilà, en direct de la poste, Colosi, mesdames, messieurs. Le président Félix Antoine Tshisekedi va devoir s'adresser à la population lualabaise tout à l'heure. Nous étions le matin à Likasi. Après Likasi, nous étions à Fungourou, mais nous voilà. Nous sommes maintenant à Kolwezi et déjà demain nous serons à Kalemi et à Kamina. Mesdames, messieurs, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Le candidat numéro 20 est attendu ici. We'll be right back.
Voilà, mesdames, messieurs, dites-nous. Voilà, mesdames, messieurs, dites-nous depuis quelle ville vous nous suivez. À très bientôt, le président Tshisekedi va s'adresser à la population de la Labèze. À Colézy, à la grande place de la Poste. Rappelons que c'est la 14e province que le président de la République venait de visiter depuis le début de la campagne. Et demain, nous serons dans les Tanganyika. Et dans le Olomami également. Pourquoi ils s'habillent ça? Le but n'a pas été menacé. Rappelons que l'artiste musicien, le pasteur Moïse Mbie, est également ici à Colézy et il va se produire tout à l'heure ici à la grande place de la Poste et vous allez vivre cela en direct. Hey, 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 hey.
Va devoir chanter tout à l'heure, il va devoir prester tout à l'heure ici à la grande place de la Bosse. Et vous allez suivre cette prestation en direct ici. Alors partagez la vidéo. Sécurité, au développement,
à l'épanouissement et à la bénédiction du Congo. Si tu crois au Congo, mais si quoi ça libère ta maboko yo moko. Si tu prends au Congo, et puis ça, dis à la personne qui est à côté, c'est la fête. Il sait, c'est la fête. Ah, ah, oh, bana loi là-bas. Il faut ça la chocho, chocho, chocho. Voilà ma chocho. Voilà ma casse, c'est la fête. Mais quand on nous drapeau, on a mon drapeau, nous sommes là qui ça que Dieu là, là qui ça montre-le. La qui ça que tu es là? Au début, Congo et Zobonga. Congo et Zokende Liboso. Congo et Zou avancé. Et Yosa n'a pas dit la histoire ou en allélo. Est-ce que vous comprenez? Kuna, est-ce que vous avez besoin de Kuna? Est-ce que Kuna a besoin de Kuna? Si vous avez besoin de Kuna, vous avez besoin de Kuna, mon ami. Mettez ma boca bien. Voilà. Alors, to koyemba lelo, to zobina. Ok, on y va. Fais pas, tout le monde. Balancez, tout le monde. Balancez, là-bas. Balancez. Là-bas, balancez, tout le monde. Yes. Kuna likolo ozolala te. Oh, bate la samba, oh, bunde la samba. Finissi cagno sola, c'è il matante. Lesa pesa me l'amba, la lingui non la seo. Mbange l'ule lo, basande sendo. Oh, ma così amuria, io anate le mbi. Ayo, ti bambe la, ya banana, Colanda, nanana, lesa le che. Je
Easy, easy, easy. I don't forget. Hey, Yanani, Yanani, Yanani. Come on.
Yaka, 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 y
Également. Est-ce que ça prête à Kamina? Toujours dans la campagne de notre ticket gagnant, le numéro 20, Fachi Béton. Bon, il faut. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chef Azoya, Beta Maboko, Beta Maboko. Malini Boy, Yoka, Malini Boy. Malingi na yo ka makelele ya lwalaba lelo il faut lwalaba yo vibre. Est-ce que je veux t'en aller dans la makasi vibration? Dans la makasi vibration. Ok. Oh!
partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Le président Fatih va devoir parler tout à l'heure. Partagez la vidéo. Allez, le 20 décembre, tout à mon âge, ça va faire tout. Drapeau. Jambo! Jambo sana!
Bambo Kenya, Bambo Sana, Aksanti. En tout cas, la Banakia il y a quelques mois, et je vous avais promis de revenir ici pour la campagne. N'est-ce pas que je suis là? Voilà. Je suis là pour venir vous dire ce que nous allons faire ensemble lorsque vous allez me donner votre confiance le 20 décembre prochain. Nous allons continuer ce que nous avons commencé ensemble. Mais pour ça, nous devons passer par la case élection. Est-ce que je peux compter sur vous le 20 décembre? Est-ce que vous voyez le numéro où vous pouvez voter? Quel est le numéro? Numéro combien? Numéro combien? Oyebi Yango. Je compte donc sur vous, Batoto. Je compte sur vous, Batoto. Voilà. Parti numéro 20. 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 Nous allons continuer ce que nous avons commencé ensemble, c'est-à-dire pour les jeunes, dans l'éducation, nous allons continuer avec la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui nous sommes au primaire, demain nous serons à la gratuité du secondaire. Toujours pour les jeunes, nous allons continuer à construire pour vous des universités, comme nous avons commencé. Et les anciennes universités qui sont délabrées, nous allons continuer à les réhabiliter. Comme nous avons fait avec le campus de Kinshasa, comme nous avons fait avec le campus de l'UPN, comme nous avons fait avec le campus de l'INBTP. La prochaine étape, c'est le campus de Lubumbashi. Nous allons continuer ce travail parce que nous voulons mettre notre jeunesse dans de très bonnes conditions pour que demain ce soit la relève à la tête de la République démocratique du Congo. Nous allons continuer ensemble le travail que nous avons commencé dans la santé, c'est-à-dire la couverture santé universelle, couverture santé pour tout le monde, tout Congolais, de toutes conditions sociales, devra avoir droit à la santé comme tout le monde et un traitement égal. Nous allons continuer à développer la politique des 145 territoires. Est-ce que Moyoki Likamoya 145 territoires? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous en êtes satisfait jusqu'ici? Est-ce que vous voulez que ça continue? Eh bien, nous allons continuer ensemble ce que nous avons commencé. Et dans les 145 territoires, il y a un volet très important qui est celui de l'agriculture. L'agriculture, nous allons en faire la priorité nationale. Parce que c'est elle qui doit demain remplacer le secteur minier. C'est vrai qu'aujourd'hui, les mines nous profitent, nous, République démocratique du Congo, peut-être pas encore assez d'ailleurs, mais demain, ça doit être l'agriculture. Parce que nous avons beaucoup de terres arables que nous n'exploitons pas. Alors, nous allons mettre un accent particulier sur l'emploi. Les jeunes, je suis votre partenaire privilégié. Vous savez ce que j'ai déjà fait pour vous. Je sais que ce n'est pas assez.
et que nous devons davantage travailler ensemble. Comptez sur moi, les jeunes. Demain, nous créerons des millions d'emplois pour vous. Parce que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons mis en place tout ce qu'il faut, tous les instruments nécessaires pour booster la jeunesse et créer des millions d'emplois. Je prends un seul exemple, celui de la sous-traitance. La sous-traitance, j'ai fait des réformes à ce niveau. Il y a aujourd'hui une nouvelle équipe emmenée par le DG Miguel Cachal et qui a l'obligation, l'instruction de ma part de donner des opportunités de sous-traitance à tous les jeunes de la République démocratique du Congo. Et il a commencé ce travail et j'ai des échos, apparemment ça marche très bien. Et je vais donc demander à nos partenaires, tous ceux qui sont venus investir ici en République démocratique du Congo, de faire très attention dans ce secteur parce que nous allons le regarder de très près. Nous voulons que la sous-traitance profite d'abord aux Congolais. Et la sous-traitance au Lualaba profite d'abord au Lualabé. Nous allons être très regardants là-dessus parce que nous ne voulons pas que cela puisse nous échapper. Il y a un autre paramètre sur lequel je voudrais insister, c'est celui de la sécurité. Je veux dire à toute la population du Lualaba que la sécurité fait partie de mes soucis. Nous allons renforcer nos capacités, les capacités de la police, parce que celle-ci doit combattre le banditisme urbain. Les bandits, vous n'avez pas votre place ici. Nous ne pouvons pas être en train de construire un pays, de développer sa population et avoir des problèmes de banditisme. Nous ne l'accepterons pas. Dans les mois qui viennent, les services de police, les agents de police qui ont été formés et qui vont arriver en fin de formation seront déployés partout où il y a de l'insécurité pour mettre fin à cette histoire. Et donc, je fais appel à la population pour qu'elle soit apaisée et qu'elle me fasse confiance. Nous allons régler ce problème. Nous allons régler les problèmes d'insécurité à Mouchacha. Nous allons régler les problèmes d'insécurité à Kassal. Nous allons régler les problèmes de sécurité ici même à Koloïsi. Alors, je voudrais aller vite parce que le ciel me menace. Je veux lancer un appel aux jeunes pour ne pas faire attention aux discours tribaux. Faites très attention aux discours de haine. Nous sommes un même peuple, nous devons vivre ensemble. Et je veux particulièrement attirer l'attention des jeunes de l'UDFS et de l'UNAFEC. Baba Kyungu est mon père. Baba Kyungu restera toujours mon père. Nous avons enterré Baba Kyungu avec honneur. Nous ne devons pas le décevoir. Ses dernières paroles, ses dernières volontés étaient de voir son peuple uni. Et nous devons respecter sa volonté. Vous jeunes de l'UDPS, vous jeunes de l'UNAFEC, vous avez l'obligation de fraterniser. D'autant plus que nous sommes dans la même famille, la famille de l'Union Sacrée. Je ne veux plus entendre parler de division parmi vous. Ne faites pas attention aux discours de séparation, aux discours de haine. Nous devons rester unis. Voilà. Je vais terminer par là parce qu'il commence à pleuvoir. Petit cala. Petit cala. Je vais te monter.
Merci Nabilo, merci, merci. Merci Mimi. Pour la Mariki. Maman, allez, vous faites sa vidéo en beauté rapidement. Maman va saluer.